moi, en tant qu'ancien Premier ministre, aidez-nous à comprendre comment l'administration publique là, il fonctionnait, notamment qui forme, qui mode de communication en Premier ministre gagné avec ministre et avec directeur général. Bon, la loi claire, il y a une loi sur le fonctionnement de l'administration de l'État qui est claire. Et le président Privé a déjà rappelé que d'abord, responsabilité du personnel, et même loi sans tout, ministre, directeur général et autres fonctionnaires dans l'État, mal des manœuvres au cas où il a recevoir l'ordre est manifestement illégal. Donc, il y a des gens qui ont refusé, il y a un qui peut, qui ont évoqué, qui exécuté l'audio, mais pour les gens qui, peut-être, qui refusé, qui sont capables d'évoquer effectivement, mais il y a gagné le tribunal administratif à travers la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui est capable de porter parole. Et dans le cas ça. Donc, quel mode de communication pour le ministre gagnant? Donc, tout ça que vous dites en termes l'ordre dans le fonctionnement de l'administration, c'est à travers le Conseil des ministres, ça, c'est le président de la République là, qui instruit l'audio, et en Conseil de gouvernement, donc, à ce moment-là, il y a un premier ministre capable effectivement on l'autre qui a un rapport à fonctionnement institutionnel dans le cas d'engagement, surtout dans le cas d'engagement, il était prêt en séance de ratification devant le Parlement. OK. Nous pas permettre de développer plus sur l'explication. On prend des cas bien particuliers. On a dit, président, il y a là, on va monter service au président Jovenel Moïse. On a dit, président Jovenel Moïse, il y a des interventions qu'il a fait et dans la Timonite, en fonction des promesses qu'il a fait, en fonction de ça qu'il a dit. Est-ce qu'il passe par vous-même directement pour intervention ça, et ou même est-ce qu'on passe par ministre? Est-ce que ministre il passe par directeur général qui concerne, direction générale qui concerne? Est-ce que c'est comme ça fait? Ou bien est-ce que le président allait jouer le ministre directement, ou bien allait jouer le directeur général directement, ou bien est-ce que vous-même, en tant que premier ministre, ou qu'on ait des communications, des ordres passer directement à un directeur général, par exemple? Tout le monde solution pour le ministre, dans toute sorte de dialogue, c'est le budget république. Le budget république, là, qui a des parties là-dedans, et c'est parti fonctionnement, c'est aucun premier ministre. Bah, quoi, j'aime rentrer là-dedans, c'est des bagages qui votaient dans la chambre, qui gagnaient, qui baillent tout ministre, directeur général, maille de manœuvre, pour faire administration en fonction. Donc, dans le cas, l'autre partie, c'est budget d'investissement. Donc, tout ministre, directeur général, gagnait comme boussole, parti ça, qui dit, qui exprimait engagement, qui te prend devant le Parlement, devant la nation, dans la réalisation, et gouvernement, dans ça, pour le faire, pendant l'année fiscale. Donc, oui, ça va arriver, effectivement, que, bien des directeurs généraux, bien des ministres, faut que nous d'accord, qui besoin, protéger, Jobio, et c'est tout le problème, pays, hein. Soit, il y a le fait équipe, d'abord, avec entourage président, hein, puis au capable, puis près président, à ce moment-là, il y a vague sur le ministère, il y a vague sur orientation gouvernement, il y a vague sur budget d'investissement, orientation TBAI, pour réaliser tel ou tel programme ou projet. Donc oui, ça va arriver, et m'a répété encore, c'est toujours pour malheur, pays, que ça. Donc, dans le cas, ça, un de l'ordre, qui qu'on effectivement sorti des présidents, car je le monde ça directement, sans que le ministre va au courant. Et qu'on a tout gagné, l'autre qui a joué le monde ça autour, il dit président, dit, sans que le président lui-même pas qu'on pas au courant de l'autre. Donc, le plus souvent, l'entourage président, il a posé un pile problème dans le fonctionnement institution de l'État. Moi-même, moi, vivre, moi, t'es qu'on fait face à lui,
comme directeur administratif, comme directeur général, comme ministre, parce que moi, quand on gagne des directeurs généraux qui dépendent des ministères comme des ministres là, qui lui-même a porté une bossière de réquisition, que l'Abdou, c'est le président qui m'a dit de faire ça. Et généralement, moi-même, moi, quand je passe son coin dans la réquisition, ça, moi, je vais retourner vers le directeur général là. Moi, je dis que si le ministre a instruit, si le président a instruit directement, c'est parce que c'est vous-même qui considérez comme ministre. Donc, celle-ci, elle vous. Vous écoutez. Si par exemple le président a besoin en matériel, puisque c'est contexte, c'est prétexte à qui mène l'interview, on a dit président a besoin, par exemple, et je te dis, tu as évoqué là, besoin de faire un travail dans Grandens ou bien dans l'Antibonite, il a besoin de deux tracteurs, il a besoin de trois camions pour le voir dans la zone. Qui j'en fait ça? Bon, on dit par exemple, tout ça ou engagement un président prend et dans le cadre des programmes d'investissement pour réaliser mon travail. Premier bagage, c'est ça le dit en public là, c'est responsabilité d'abord primature qui ont un paquet de techniciens là-dedans, hein, des techniciens valables. C'est responsabilité yo pour yo peut-être prendre sa président dit en public là, parce que le président fait qu'on déplace en pile, hein, lui déclarer l'arrivée sous place, après constat, lui dit, lui voulait faire tel bagage, ou bien la fin faire tel bagage. Donc, c'est ça, le dit, hein, que technicien, ça a rien pris au print, pour yo qu'on y a formaté lui, puis yo transformé lui en action, et projet ou programme pour être capable officiellement acheminer le ministère de planification et le ministère de planification capable de faire tout le travail technique pour être capable de mettre le circuit et de dépenses. Là, nous avons un circuit légal là, hein, et peut-être que mon capitaine de là qui va le dire, mais si bah, va prévoir dans le budget là, dans le programme d'investissement gouvernement qui a le fait, oui, il est capable de faire, parce que le rubrique budgétaire, les hautes interventions publiques, c'est pour ça là, c'est ça qui a réglé dans un langage plus clair, hein, il y a un rubrique pour les imprévus. Donc, à ce moment-là, à partir de ça, il y a des bagailles qui sont capables d'exécuter en respectant les normes et procédures des marchés publics. Donc, si le fait directement, et bon monde qui répond à ça, c'est responsabilité de nous, capable d'agir en dehors de la loi. Donc, là, bien, pour répondre, et tôt ou tard, pas devant le tribunal administratif. Est-ce que les gens qui viennent prêter matériel, le président font appel, il dit, bah, tel monde, tel matériel. Parce que, je connais, l'administration publique, là, c'est hors de route, c'est réquisition, c'est comme ça, ça doit fonctionner. Mais est-ce que ça a toujours respecté, le, il doit allouer tel ou tel matériel, bah, en particulier, ou bien, bah, en zone, et pour le ministre Lavin? Bon, là, on va permettre, moi, monsieur Sénat, répondons à la question, ça, que c'est seul, yon, directeur CND, et bah, m'gouais, j'ai ministre à l'Opublic, là, pas aucun ministre à l'Opublic qui peut rentrer dans ça, dans ce sort de dialogue avec un président. C'est peut-être seul, un directeur général CND, qui est capable de répondre à la question, ça. Donc, ma vraie Julie encore, toute instruction qui passait en dehors des salaires, loi tracée, loi de finances, là, donc, yon a exécuté ses responsabilités par, surtout, si c'est si une instruction verbale qu'elle veut recevoir. Maintenant, je vais en parler à la PM Lapin, lui montrer des ordres qui ont gagné dans l'administration publique, là, lorsque couloir et yon pas respecté, genre de respecter, et puis, j'ai mon directeur général, la police a tapé plein ça ensemble avec moi. Président a parlé avec commissaire. C'est commissaire. Il a parlé avec commissaire sur des bagages qu'il a besoin, alors que lui-même, président de la République, et sous Jovenel Moïse. Il a parlé avec commissaire sur des bagages que lui-même, et en tant que directeur général, il n'est pas au courant. Donc, c'est des pratiques qui affaiblissent l'institution, qui crasent l'institution,
et qui baille, qui conduit tout à un résultat que nous gagnons aujourd'hui là. On nous venir avec un sujet principal là. Et non, non, toi, est-ce que nous devons comprendre que Monsieur Lapin, officiellement, ou pour toucher de mandat, juge dimanche décerné? Oui, j'aime dire la note là. Et à aucun moment, nous-mêmes, n'avons pas tout recevoir aucune convocation de la justice pour nous être capables de venir répondre sur le sujet principal là, qui c'est CNE. Donc, avant que nous entrions dans tout le détail, et nous dit que le juge là lui-même a agi à partir de un rapport. Un rapport côté que l'ILCC, et j'ai envie de dire le rapport, après un pile dénonciation, littéralement sur les lieux, c'est-à-dire dans le CND, pour être capable à vérifier effectivement ça qu'a dit dans la RIA, hein, c'est vérité. Donc, la loi, l'ILCC doit vous la faire travailler ça, ou société là. Donc c'est effectivement dérivé, lui poser question, la vérifier et d'après ça moi dans rapport c'est que lui identifier des matériels qui étaient doués dans CNE qu'elle va vendre. Et d'après rapport gagné un paquet de commission RCC qu'aller dans des zones dans tout pays, hein, d'aller et joindre effectivement gagner des sites et des CNE dans tout pays qui a des matériels qui abandonnés, gagner joindre gagner que lui pas joindre. Donc les produits ont un rapport sur ça et il fait des recommandations sur le plan pénal et sur le plan administratif. Sur le plan pénal, l'ILCC dit de recommander pour y mettre action publique en mouvement contre 15 personnes au grand maximum pour détournement de biens publics. À aucun moment. Mais pour auditeur qui branche là, comprendre et tendre, ça m'a dit à là. À aucun moment, dans le rapport ça, pas gagné aucun nom ministre, pas gagné aucun nom président, pas gagné aucun nom premier ministre qui mentionné la donne, et pas quoi, moi tout, aucun nom directeur général CNI qui la donne. Demandez pour y'a poursuivre mon salaire pour détournement de biens publics. À aucun moment, tu n'as rapport ça, bien entendu. Si ILCC n'a pas parlé de corruption. Donc, sur le plan administratif, si elle est recommandée, elle m'a salué, et parti travail, ça, de ILCC, qui reconnaît que ça le mandat, n'est pas dans l'attribution, ni, de recommander pour gagner un audit financier comptable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui est cette instance que la loi autorise sous ça. Donc, n'a pas compris clairement si ILCC mandé audit financier, donc, il n'est pas capable de corruption. Parce que c'est audit financier qui prend le barou, effectivement, si gagne corruption ou pas. Donc, nous commençons à comprendre que, et à travers le mandat, que je dimanche décennie dernier, côté qu'elle parlait, c'est pour corruption et détournement des biens publics là. Donc là, tout le monde clair, comprend que, Oui, et dimanche, il y a un autre bagage qui l'a prêté. PM, là, il y a un rapport, ou bien résumé exécutif, rapport ULCC, sous CNEA,
Et m'appeler rapidement recommandation, tenant compte de tout ce qui précède, de LTC recommande ce rapport partiel sur le plan administratif, l'audit administratif financier et comptable du Centre national des équipements par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la mise en place d'un cadre légal régissant la mission et le fonctionnement du CNE, l'adoption de manuels de procédure administrative et financière en vue d'assurer une gestion saine et efficace des ressources matérielles et autres biens du CNE, la mise en place d'une commission au niveau du CNE via le MTPTC en vue d'un inventaire d'évaluation et de récupération des engins lourds entreposés dans les différents sites où sont entreposés les matériels et autres engins lourds de l'institution. Sur le plan pénal, elle recommande la mise en mouvement de l'action publique contre Morel Espérance Erard, Daniel Ossé, Malher François, Bélange Pierre et Willow Joseph, Francisco de la Course, Jean-Renel Tidé, Roms Périlus, Clovis Oba, Wolf Papillon, Sergio Remaret, Martis Fortuné, Jean-Marcelin Jean-Claude et Delimon Roosevelt pour détournement de biens publics fait prévu et puni par les dispositions de l'article 5.4 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Là, moi, ouais, au moins, non ancien directeur général, même pas un non et ancien premier ministre, pas un non et ancien président et donc et pour même et d'après vous même pour qui ça juste là t'as intéressé avec des anciens premiers ministres et avec des anciens présidents premier ministre après. Bon voilà, ou après même qui ajoute toute ce dio là qui moi-même que moi j'ai dit déjà d'abord nous constater à travers le rapport, l'institution, ça a eu le CNE, qui a 25 ans depuis qu'elle criait. Donc, son institution qui n'a pas existé. Parce que si LCC a recommandé manuel de procédure d'éjection, etc. Donc, bref, rapport, ça, faut que nous commençons par demander qui j'en fait arriver dans la main et jeudi dimanche. Rapport, ça, que l'ILCC te remet officiellement à commissaire gouvernement. Jusqu'à présent, l'ILCC correct, parce que commissaire gouvernement, c'est ça la loi dit. Même le Cour supérieure des comptes, lui-même, gagné pour l'introduire, un rapport, côté la demande, puis au mettre action publique, en mouvement, contre X et Y, c'est toujours effectivement par commissaire gouvernement du passé. Donc, c'est lui-même qui met action publique. Rapport ça à une jeune commissaire gouvernement qui lui-même fait ça et relève un réquisitoire d'informer. Même en dans le réquisitoire d'informer ça, il s'est boussole le juge là. Pas de nom, aucun ancien président, aucun ancien premier ministre, aucun ancien ministre là-dedans. On dit, juge là, t'es commencé à instructionner à partir de tout nom, ça y est, qu'on se dit à là, qui n'a pas employé LCC. Et d'après ça, mon ça, t'a déclaré, t'a nommé non, un ministre, yon ancien président, yon ancien premier ministre, nan cadre enquête là, juge là, gagné pour devoir, pour lui faire, ça ou il yon soit communiqué pour réquisitoire supplétif, qu'il gagné pour le tourner by commissaire gouvernement, pour commissaire gouvernement capable d'introduire nous, moun sa yo, comme moun yo doit tendre dans le cadre des affaires ça. Jodia, juge dimanche des responsabilités envers société, il des responsabilités envers jeunesse là, il des responsabilités envers toute l'école de droit qui gagne à travers le pays là, pour présenter la nation, hein, soit communiqué pour réquisitoire supplétif ça, qu'elle t'ait voyé par le commissaire gouvernement, qu'elle t'ait demandé pour ajouter non ça yo dans le cadre enquête là. Donc, pas de bail ça, nous comprenons clairement,
et gagne un mobile politique de ça pour être capable de tenir l'image bon que vous déjà tenir à travers les réseaux sociaux. Donc, nous comprenons ça qui a passé, nous dénonçons et nous-mêmes. PM, la paix. Pour qui ça vous avez tenu l'image ou? Jean-Michel Lapin, après 3 ans de silence, c'est un retraité de l'État, après 32 ans comme fonctionnaire et passage comme premier ministre, qui pensait qu'il est capable de circuler librement dans le pays. Particulièrement pour les affaires va-et-vient entre Port-au-Prince et pays-là, Jacques Mel. Malheureusement, nous, c'est pas ça qui fait dans le pays. Jean-Michel Lapin constatait tout. Pendant 3 ans dans le mandat et président Jovenel, il a gagné une opposition qui, à travers promesses, qui était assez valable, il a gagné le monde d'expérience, de tout le monde qui maîtrisait le discours politique. Il y a même dit que il y a tap mal marché à l'époque. Il y a même, il y a pensé, si que il y a pris le pouvoir, il y a capable de faire des bagages différents. Donc, après 3 ans, nous, ouais, c'est pas ça. Effectivement, qu'a réglé et les bagages ont vint plus grave. Dans ce sens-là, dans le cadre, il y a une dynamique, de yon leadership collectif, responsable et éclairé, nous engager nous pour nous proposer à nation, bien entendu, dans le long terme, à partir des élections, une alternative. Une alternative, côté que nous construisons une vision, côté que nous construisons un discours politique qui est adapté avec vision, qui pourrait aller vers le développement socio-économique paysan. N'a pas répété, nous, dans un mouvement de leadership collectif, responsable et éclairé, en pile monde, en pile jeune, c'est réfléchi, en pile, pour nous capables, nous-mêmes tous, des paroles, nous, dans ça qui va se faire. Donc, mouvement, ça. Donc, qui vous voyez là, Premier ministre, parce que je ne suis pas content de vous faire politique. Donc, qui vous voyez là, précisez pour nous. Bon, nous, effectivement, dans la base du mouvement qui est la nouvelle orientation, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui fait un pile message et passé. Et ce mouvement, ça, le mouvement, hein, la nouvelle orientation, avec tout adepte, tout membre, intéressé pour yo aller dans l'élection et ceci dans tout poste. Ah, ok. Donc, on parti politique. Maintenant, dans notre là, on dit, monsieur Lapin, et que nous pas notifié de ça. Et avant qu'on pas notifié de ça, tout, et quand est-ce que nous t'es notifié de ça, on n'a pas répondu à une question juste là? Non. Et si nous t'es notifié de ça, nous devons analyser. Et nous devons regarder qui sa constitution dit. Et même là, nous pas notifié, nous regardons sa constitution dit. Nous voyons que l'article 186 constitution lui dit clairement tout le monde qui a gagné statut président, ministre, juge, qui est considéré comme haut dignitaire de l'État, est passible par devant la haute cour de justice. Même Jean-Tour, tout le monde qui membre et cour de cassation, qui juge tout, hein, qui membre cour supérieure des comptes, membre conseil électoral, il dit tout le monde, il est passible, si vous faites un bagage dans l'exercice fonction, il est passible devant la haute cour de justice. Jodi a constaté, et société a dû constater, même article ça qui protégeait juge dimanche là, juge dimanche fourré mais la donne pour le Brésil. Donc, nous-mêmes,
si gagne y a quelconque rapport qui dit qui indexe un président, un ancien président, un ancien premier ministre, un ancien ministre, un ancien membre cour de cassation et autres, donc qui rapport ça acheminé au moment opportun, Jean Constitution dit là, devant la Chambre des députés, qui a une responsabilité à la majorité des deux tiers, fait mise en accusation. Au moins, en espérant ça qu'a fait en 2025, 50 ans après, que nous avons gagné, il y a un plus grand procès dans le pays. Procès de consolidation. Et le procès des timbres. Chaque nègre a bien vu une défendue devant le tribunal, ça, qui sont tribunal de haute cour de justice. Tout comme le dimanche, je vais expliquer. A bien pour répondre de une forfaiture qu'il commet pendant l'exercice fonctionnel. PM, vous avez une question. Je vais expliquer là, déjà là, M. Lapin, soumettre le dossier à son terrain politique et que vous avez estimé que c'était ni un peu ni un jour parce qu'il y a des positions à prendre avec les mouvements politiques qu'on la donne et qu'on a grandi des politiques toujours. Si vous comprenez là, et c'est tout à dire que le juge là, il a fait partie de l'autre camp, il a fait jouer de l'autre camp, contre bon, ça en a tout l'air parce que si nous dit juge là, bien renommé un juge du compétent. Donc, et il y a un second dossier en dehors des normes et procédures judiciaires. Donc, il a fait partie effectivement du travail d'un autre camp. Qui camp? Qui un autre camp politique que lui-même l'a gagné pour l'identifier et la justice, lui-même au plus haut niveau, parce qu'il faut bon côté dans le système là, et me connaît bon côté dans le système là, que yo doit questionner l'agissement du juge là, dans le dossier ça, hein, pour yo capable de prendre des dispositions qu'il doit. Qui est un besoin, tu sais, on question, on va comprendre. Vas-y, okay. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ou le compte du parquet qui est chef de la poursuite. Vous avez dit tout à l'heure là, et vous soulignez, vous insistez, que ou dis-nous là clairement que le parquet n'a pas demandé un réquisitoire supplétif, c'est-à-dire une addition d'informations, et à travers l'addition d'informations, après la liste du rapport, qui t'a mis nom et concerné, y compris ou même. Maintenant, si nous avons une technicalité, ça, et moun qui gagne bras d'exécution et de mandat d'amené, c'est le commissaire du gouvernement qui a instruit des CPJ et la police pour exécuter eux. Et est-ce que nous n'avons qu'une figure côté abgain exécution ou capable exécution? Et est-ce que là, nous ne sommes pas dans un vaste brassage d'air par rapport à nos respects de principes et de procédure dans le cadre d'instruction, alors que le pays a foncièrement besoin de transparence, il foncièrement besoin d'édition de compte, il foncièrement besoin de mon guide abjuré ou répondre à question la justice pour des actes à commettre dans l'exercice fonctionnement. Vous avez des considérations sur le point ça, et c'est une question, M. Lapin. Bon, oui, il est clair que, et on a répété là encore, la première réquisition soit d'informer parquet qui a cheminé by greffe par un tribunal civil qui lui-même t'a distribué dossier by juge dimanche. À aucun moment dans réquisition d'informer ça a gagné non aucun président, aucun ministre, aucun ancien premier ministre là-dedans. N'a pas dit encore au cas où pendant que juge là t'a mené instruction à partir de monde qui ont indexé dans sa monsieur Sénat so di a, dans la recommandation ILCCA, pas gagné moun yo qui nomme non un président, un juge, un ministre ou bien un ancien ministre. Donc juge la gagné pour lui ta faire on soit communiqué pour lui demander un dossier, hein, un réquisitoire supplétif qui gagne un nom, monde que yo dénoncé. Là, nous avons quatre dénonciations. Moi, je pensais que
ça c'est abaisser la formation droit ou bien la procédure judiciaire. Donc pas rien. Société a doué effectivement connaître monde qui t'a géré lui au cas où il y a des bagages qui ont reproché ou qui ont fait une bonne réduction des comptes. Dit clair. Hein? Bien, tout comme juge, tout comme membre Cour supérieure des comptes, hein? Tout comme membre conseiller électoral, président, premier ministre, la loi claire. Article 186 Constitution, hein, dit, mais qui j'en pour monde sérieux, vient rendre compte à la nation. Donc, on nous était raccroché à l'article ça, hein, qui créait une instance pour nous capables de rendre compte. Et, au moment opportun, pas de aucun monde, aucun ancien président, aucun ancien ministre, aucun ancien premier ministre, aucun ancien membre conseil électoral et autre qui est capable de dire le pape vient devant tribunal ça, qui fait tribunal au cours de justice pour rendre compte de la gestion. Maintenant, mon cap goûme contre corruption dans le pays, il a souligné, et je suis de partager pour être vu ça tout, qu'il est extrêmement complexe et compliqué pour faire des hauts fonctionnaires rendre compte parce que autre cours de justice là, c'est une juridiction qui est plus politique dans son organisation et son fonctionnement. D'ailleurs, par exemple, il y a Ken Moon qui paraît devant, depuis qu'on s'est dit qu'en 2007, la fête. Et autre cours de justice là, et à ma connaissance, ou si m'a dit bêtise ou à corriger, moi, il n'y a pas jamais siégé pour juger à quel fonctionnaire, ce qui est préjudiciable. Maintenant, il y a d'autres lois, notamment loi pour autant prévention et répression de la corruption, qui y a des dispositions là-dedans, encore une fois, FOC et pays à travail pour que fonctionnaires, haut fonctionnaires, président, premier ministre, ministre, car Dakadi, pour faciliter pour cette dure-là, si il y a des actes posés dans l'exercice fonctionnaire, local devant le tribunal. Mais maintenant, et ce n'est pas encore le cas. Donc c'est un système selon certains mondes qui ont déjà verrouillé, qui t'accapare des protections à des mondes qui a géré l'argent de l'État, ce qui est une mauvaise chose selon certains mondes. Mais c'est comme ça lié, mais il faut qu'il respecte le pendant le conseil. Maintenant, bon aspect de la question, on peut répondre. Moun besoin que la vérité faite. Et là, il y a rentré dans le dossier aux gens qui rentré, c'est-à-dire sans respect procédure, pour me citer où. Quelque part, c'est faire des débats sous question, mais au final, si il y a une violation de procédure de sa code d'instruction et criminelle dit dans le cadre de conduite en instruction, et a bien vice de forme, mon avocat a cassé. Donc, nous sommes dans un grand brassage d'air, ce qui est très préjudiciable pour notre temps, pour nous dire d'autres choses. Dakadi qui est intelligent et puis constructif. Et selon certains mondes, Dakadi comprend. Qui est opinion sur ça? D'ailleurs, mettez-le sur ce ça parce que moi, pas tout élaboré sur lui avant d'aller et fermer l'interview. Bon, donc, nous mettons d'accord qu'à partir de tout ce dia-là, il y a une nécessité pour nous faire passer maintenant la Constitution. Parce que c'est seul côté qui va permettre effectivement nous bailler une orientation pour nous capables à la loi, à la justice, pour nous capables effectivement contraindre dans une procédure ou bien dans une démarche qui puis souple, qui puis direct et à ça. Donc, nous pas responsables que les procédures, les saillonnées, les politisées. Donc, réforme, yo, mon ami. Réforme qui doit porter dans le système, dans le pouvoir judiciaire, là, hein, côté qu'on est capable de gagner effectivement un système, un pouvoir judiciaire qui est indépendant, véritablement indépendant, ni dans le fonctionnement et ni dans le financièrement. Parce que le pouvoir judiciaire là tout lui-même, dans le fonctionnement, il y a un pile comme la brasse et la donnée. Donc, il faut que nous budgétisions le système-là pour nous capables de gagner plus de moyens pour nous gagner des véritables juges. Parce qu'effectivement, pour camper un pays dans la situation qu'il y a, pour nous tourner à la normale, on a besoin de la justice et un bon système judiciaire avec des mondes, hein, intègres, qui est capable de punir
tout ça yo doit puni. Nous allons faire une interview, mais bon, t'es mon frère, je disais tout à l'heure, qui a attiré curiosité, moi, et l'autre a parlé de mouvement politique, ou là-dedans, là, ou participer là-dedans, ou dit, c'est la nouvelle orientation, c'est ça? Oui, c'est okay. La nouvelle orientation. Ou dit, nous prenons aller dans l'élection, dans toute poste? Dans toute poste et dans tout pays. Y compris à la présidence? Dans toute poste. J'ai venu de toute poste. Dans notre pays, le mouvement est intéressé à ça. Dans toute poste net, de la présidence jusqu'au AZ, de ville maïsra. C'est vous-même qui président Nouvelle Orientation? Non, nous avons une dynamique de leadership collectif, responsable et éclairé. Donc, au moment opportun, nous avons gardé qui est-ce qui est capable de capitaine, parce qu'il y a assez de ressources en un mouvement et la privé dans le cadre de modernité politique, une dynamique de modernité politique. Dans qui poste électif vous êtes là, PM? N'a pas gardé, hein? Dans qui poste électif vous êtes là? Moi-même? Oui. Oui, oui. Si je n'étais qu'à garder un mouvement, il était bon, hein? Donc, et... Non, mais dans l'élection, pas qu'on garde, non? Et dans le mouvement, dans l'élection... Nous parlons des mouvements. Donc, si tu permets de finir, nous arrivons à côté. Dans le cadre d'effectivement création, il y a une grosse plateforme et politique, parce que nous avons pu l'allier, qui n'a pas parlé avec eux, nous avons continué à parler avec eux, nous avons gagné pour nous garder un moment opportun, qui est-ce qui est capable de capitaine. Donc, nous avons basé sur une réalité, qui est entre un monde et un groupe monde qui prend le pouvoir, et yon moun, et yon groupe moun qui ka pote pouvoir. Différence là dans des cas ça yo, l'opérateur pouvoir, est-ce que dans les élections politiques, est-ce que moyen, l'opérateur pouvoir au besoin moins de temps, et moins moyen. Au besoin de pouvoir, là, ce liste ou pas répondre question, est-ce que vous avez une ambition politique, est-ce que vous même personnellement pour aller à l'élection? Ma redis encore, Jean-Michel Lapin fait une partie de yon mouvement politique, qui est la nouvelle orientation, qui a un pile monde, un pile ressources là-dedans, qui va proposer, by nation, une orientation, une alternative, qui est capable de déboucher vers le développement socio-économique pays. Eh bien, merci, PM. Bon, nous souhaitons rencontrer une autre fois pour parler de mouvement, ce qui s'est fondé, qui s'est gagné comme. Justement, maintenant, permettez-moi juste faire une parenthèse. Et nous constatons tout sur les réseaux sociaux, et grand pile amalgame. Donc, pas de moyens pour Jean-Michel Lapin dans le CNE, tout comme pas de moyens pour Jean-Michel Lapin dans le scandale ou na PN, etc. Donc, il y a parlé de Jean-Michel Lapin qui gagnait comme carnaval au CAIN, dans la nation. Et Jean-Michel Lapin, à l'époque qui était directeur administratif, pas gagné aucune responsabilité dans le carnaval au CAI. Yo, n'a pas encouragé yo à le faire une petite recherche pour yo garder, arrêter, qui était créé comité carnaval au CAI là, côté exceptionnellement, yo était bail comité là, responsabilité pécuniaire. Donc, m'a dit autour, pour yo faire une petite recherche, seul ça me ka di yo, c'est que gagne un rapport d'audit, 3 mois après carnaval ça, qui était réalisé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui n'a main yo, et qui gagne tout ça qui était fait, justificatif de tout ça qui était fait dans le carnaval. Jean-Michel Lapin, pas dans le carnaval au CAI, Jean-Michel Lapin n'a pas aucune responsabilité dans les affaires carnaval au CAI. Donc, document est là, il existe, nous souhaitons, et tout le monde qui est venu à cap alimenter le débat, ça, surtout certains journalistes, en médias en ligne, puis au point de temps, il a fait recherche ça, côté 1. Il y a besoin et arrêté qui t'a créé le comité carnaval là. Et on a même okay, noté qu'il était une responsabilité pécuniaire. Il n'y a pas besoin de nommer la dernière. Et deux, côté gain, un rapport d'audit
spécial de la Cour supérieure des comptes sur carnaval. Donc, c'est au fond qu'il faut y aller chercher l'information. Merci, Père. Je vous remercie Magique 9 et je vous remercie tout le monde qui était prêt à temps, sans eux. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapenna.